Le balai autour de nous. Les étoiles sont autour de nous, là. Toutes les étoiles sont autour de nous, Jacques. Et je crois que ce soir, vous allez vivre, nous avons de grandes joies, de grandes peines. Ce soir, je crois que ça va être une grande joie, car nous allons faire quelque chose d'assez exceptionnel devant vous et en présence des téléspectateurs. Voilà, j'emploie toujours les formules consacrées. Sur proposition de Madame Hightower, directrice de la danse, je nomme ce soir Mademoiselle Françoise Legré, danseuse étoile. Et maintenant, on cache un peu les larmes. Françoise Legré. On ne voulait pas le faire avant volontarisme, avant le ballet. Non. Je n'aurais pas pu danser. Hein? C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Il est rare qu'une danseuse étoile, qu'un danseur étoile soit nommé comme ça, en direct, à la télévision. Je crois que ça ne s'était jamais fait. Vraiment, vous ne vous attendiez à rien. Oh non, vous pouvez imaginer ce que c'est. Je le dédie à ma mère pour la fête des mères. Ah, remarquez, va l'embrasser. C'est beau ça. Hein? Jacques, j'ai quand même hésité parce que ce matin en regardant le dossier individuel de chaque danseur, j'ai regardé le dossier de Françoise Legré et je me suis aperçu qu'elle avait eu un jour une punition, et là s'il y a encore des punitions dans le ballet, parce que à la répétition générale de Roméo et Juliette au Japon, elle ne s'était pas réveillée, elle dormait dans sa chambre. Alors, enfin, le décalage horaire. On voit que tout est donc permis. Ah, oui, voilà. Bravo encore une fois, Françoise Legré. Alors vous le savez, tout à l'heure, nous allons rejoindre nos amis du journal télévisé. Le dernier journal d'Antenne 2 vous sera présenté par Claude Sérillon. Et ensuite, nous reviendrons ici sur ce plateau 15 début de Chemont pour terminer la soirée, comme nous l'avions prévu, avec le grand corps de ballet de l'Opéra de Paris.
oublié Balanchine? Non. Non, on ne peut pas l'oublier parce que il vient malheureusement de disparaître, mais c'était un grand chorégraphe et un des plus grands. On parlera tout à l'heure de Serge Giffard, c'était de mon père d'une certaine manière, mais Balanchine est un immense chorégraphe qui vient de disparaître. Et nous avons un grand nombre de ballets à notre répertoire de Georges Balanchine. Vous allez voir là ce soir un extrait de Capriccio sur concerto Capriccio pour piano et orchestre de Stravinsky, dansé par Wilfried Piollet, Patrice Barre, Monsieur Étoile, et Sylvie Clavier, première danseuse, et le ballet de l'opéra. Capriccio de Balanchine, musique de Stravinsky. Ils ne sont pas prêts. Eh bien alors, attendez, on va continuer un petit peu. Je vous rappelle qu'il est 23h42 minutes 51 secondes, mais il est vrai que toute cette soirée a été réalisée totalement en direct. Je dois dire qu'avec 255 danseurs, je ne dirais pas... Oui, oui, je vous en prie, Patrick Dupont, oui. Comme on a dit bravo à tous les danseurs ce soir, oui. Et que maintenant, comme vous dites, il est 23h43, moi ce que j'aimerais, c'est dire bravo à tous les professeurs qui nous ont fait, qui nous ont formés, qui nous ont donné leur amour. Et en fait, être un danseur, c'est beaucoup d'amour avec le professeur, les amis, les parents. Et grâce à nos petits pères, à nos petites mères, c'est ça l'opéra, les professeurs. Ben, ah, c'est voilà, vrai. C'est... Qui est ta petite mère, toi, de Claire? Marie-Hélène Cosentino. Et toi, Pascal? C'est vrai que tous les enfants ont des petites mères et des petits pères. C'est ma petite fille. Ce sont des parents. Déjà papa. Et même ma maman. Mais c'est quand même une drôle de famille. Mais avouez. Oui, mais avouez quand même que ça n'est pas. Avouez quand même que ça n'est pas toujours aussi tendre, ça n'est pas toujours la bonne humeur comme ce soir. Ce qui est très dur, c'est la compétition. Ils sont prêts. Souvent. Capriccio de Balanchine, musique de Stravinsky.
Thank you.